faisait longtemps. Ça faisait longtemps, longtemps, longtemps même. Je viens de rentrer de l'école là. Et j'étais en train de me dire, oh, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vlogué. Et ça me manque, si vous saviez comme ça m'a manqué. Bref, du coup, voilà, je viens de me garer dans la maison. Je me suis dit finalement, vu que c'est le bazar dans ma maison, c'était tout autant filmable dans ma voiture. Bon, j'espère que vous, ça va. J'ai eu peut-être 2 3 semaines complètement hors du temps. Mais alors, hors du temps, je savais ni quel jour on était, encore moins la date. La rentrée des enfants, elle s'est passée un peu. C'était pitoyable. Je me suis sentie un peu comme la pire des mamans parce que jusqu'à la veille au soir, on était. Ouh là là, on n'a pas fait les affaires, on n'a pas fait. Bon, ça va qu'ils ne demandent pas trop de fournitures. Mais voilà, j'étais ce genre de maman. Moi qui suis une psychopathe de l'organisation normalement. Et ben là, j'ai tout foiré. Donc en fait, les dernières semaines de la campagne Ulule ont aussi été les dernières semaines de travail sur le livre. Et donc, on est quoi là? On est mardi matin. Ouais, ça fait du coup, ça fait une semaine et un jour que la campagne s'est finie et que le livre est parti chez l'imprimeur. Donc, le livre n'est plus dans mes mains. Je n'ai plus la main sur le livre. Donc, ça a un côté rassurant parce que je me dis, bon, ben voilà, ben ça. Ça c'est fait, et puis ben, il me reste plus qu'à attendre. Enfin, il n'y a rien que je pourrais faire qui change maintenant quoi que ce soit au contenu en tout cas du livre. Il y a un reflet de soleil, quoique je vais le profiter parce qu'il fait quand même pas chaud. Je pense qu'il faut qu'on absorbe un maximum de soleil là. Parce que 3 degrés le matin, d'un coup là, on n'était pas prêt. Absorbe, absorbe. Bref, le livre, ben voilà, il me reste qu'à attendre. Normalement, tout est OK. Je précise à chaque fois, normalement, 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 mais parce que normalement, tout est OK. Et en fait, j'ai quand même beaucoup d'autres choses à faire et à penser pour le travail des envois. Et puis, ben, il y a quand même d'autres contreparties. Qu'il y avait sur la campagne qui ont cartonné. Je pense notamment aux bougies. Hein. On est quand même à près de 400 bougies. C'est un peu sombre. Je vais vous changer de place. Ah ben, c'est pas forcément mieux. Voilà. Ouais, donc près de 400 bougies à faire. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, mais c'est hyper gratifiant de me dire que je vais faire tout ça et que du coup ça va partir à enfin, vers autant de maisons et autant de gens, quoi. Donc voilà. Mais en fait, j'ai pris une petite semaine de battement. Alors j'ai pas rien fait parce que justement j'ai avancé plein de choses sur la logistique, sur les envois, sur les emballages, sur plein de choses. Mais j'ai ralenti, j'ai grave ralenti. Parce que j'en avais besoin, j'ai fini la campagne Ulule. Bah, le dernier week-end de la campagne, j'étais malade. Mais malade. Mais vous pourrez demander à Morgane. Malade à en pleurer. Grosse intoxication alimentaire. C'était vraiment pas cool. Du coup, finir le livre dans ces conditions, en même temps de finir la campagne dans ces conditions, c'était vraiment. Ça m'a embêté parce que. J'avais imaginé des trucs vachement plus joyeux et plus, voilà, dans les fusions et tout. Et j'étais dans les pleurs et cassée en deux. Mais bon, après, il y a aussi le côté stress, fatigue et bout de course hein, qui s'était rajouté à mon état, je pense. Mais voilà, l'intoxication alimentaire, c'était pas le bon moment. Mais je vais pas me plaindre. La veille que je tombe malade, je disais à Morgane, oh bah quand même j'ai réussi à pas tomber malade pour tout le temps de travail du livre, quoi. Bah là, le bon Dieu m'a puni parce que bah, je m'en suis vantée un peu trop vite. C'est vrai que moi qui suis tout le temps malade, pour le coup, là j'avais réussi à tenir sans être malade. Et ben non. Voilà, enfin, donc ça a été compliqué, mais à la fois
Et ben, c'était nécessaire, je pense, aussi d'en baver parce qu'il y a un moment où il faut mettre le coup d'accélérateur final. De toute façon, je travaille très bien dans l'urgence, moi. Mais ça nous a beaucoup demandé d'énergie, même à Morgane, hein, ça a été hyper intense. Mais voilà, le livre est fini depuis plus d'une semaine et le livre est chez l'imprimeur. Donc voilà, les imprimeurs, enfin les imprimeurs. En fait, j'ai contact avec plusieurs personnes des différents services chez mon imprimeur. Du coup, quand je dis les imprimeurs, c'est les personnes que j'ai. Ils sont pas plusieurs. Mais du coup, je les ai au téléphone peut-être un jour sur deux. Et puis par mail tous les jours, parce que je suis un peu psychopathe et que j'ai besoin d'être rassurée. Et puis parce que je vois aussi d'autres choses, enfin, je travaille sur d'autres choses avec eux aussi. Donc voilà. Voilà, du coup, mon programme pour les semaines à venir. Ouf, je change de main parce que j'ai une crampe. Programme pour les semaines à venir. Et ben cette semaine, c'est tout calé, tout ce qui est emballage. Conditionnement, les autres produits, les cartes, les affiches, les bloc-notes, tout ça, tout ça. Et la semaine prochaine, ce sera une semaine entière de conception de bougies, conception et emballage de bougies. Voilà. Et puis ensuite, ce sera réception du livre. Enfin, je suis superstitieuse. Tant que je ne l'ai pas dans les mains, je n'arrive pas à me caler de délai. Enfin, j'arrive pas à en parler comme si c'était sûr. C'est très, très, très bizarre. Bref, voilà. Voilà mon programme pour les prochaines semaines. Bon, je vais quand même rentrer parce qu'il fait frais. Je vais rentrer, me faire un café chaud. Et puis, ou un cappuccino. Et puis, je reviens vous parler. Mais c'est le retour des vlogs. Et ça, c'est trop cool. J'avais trop hâte. Vous m'avez trop manqué.
J'espère que vous allez bien. Pardonnerez ma tête un peu fatiguée, mais je suis très fatiguée. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est enfin le vrai retour officiel des conclusions de vlog. J'étais pas sûre d'en faire une là pour le coup. Je savais pas trop comment j'allais finir ce vlog, mais à un moment il faut le finir. Et il vaut mieux que je fasse des petits vlogs courts parce que je vais avoir tellement de choses à vous dire, à vous montrer dans les jours et les semaines qui arrivent, que si je fais comme l'année dernière à faire des gros vlogs d'une heure. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et puis finalement, faire des vlogs plus courts me prend aussi moins de temps de montage. Et donc en ce moment, vu que je cours après le temps, c'est quand même bienvenu. Je m'excuse à l'avance pour le temps qui change, mais je ne savais pas que je vivais en Écosse et donc la lumière en fait qui change. Parce que en ce moment, ça fait 3 jours que c'est soleil, pluie, vent, soleil, pluie, vent, vent, soleil, pluie. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc là par exemple, il y a un très gros nuage tout noir qui passe devant le soleil. Donc la lumière va changer, je vous préviens. Et puis je ne suis pas une youtubeuse équipée en spotlight, pas du tout. Je filme avec mon téléphone posé sur une boîte de croque-carottes. Je vous montre mon installation, c'est rigolo les backstage. Allez, je vous montre. Là, vous êtes posé là-dessus. Vous voyez? Sur la boîte de croque-carottes et du jeu de société Destin. Mais voilà, j'ai un trépied, mais j'avais la flemme d'aller le chercher. Voilà. Bref, du coup, vous êtes tordus. Pouf! Il n'y a rien qui va. Ça s'annonce être la pire conclusion ever. Attendez. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. C'est bon, ça tient. Pardon pour cette introduction pourrie. Je ne sais pas si je la mettrai celle-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous donner des nouvelles. Je voulais vous donner des nouvelles parce que je suis très silencieuse ces derniers temps sur Ulule, Instagram, etc. Mais c'est parce que vraiment, je cours après le temps. J'ai l'impression que les journées sont beaucoup trop courtes. En plus de ça, j'ai droit à tous les petits imprévus de saison du type « Venez chercher votre enfant, il est malade !» Et donc, le truc qui vous bousille la journée prévue, déjà vous avez un planning heure par heure et puis là, c'est... grand effondrement. Donc voilà. Il va falloir que j'ordonne mes idées parce que je sens que je suis déjà en train de perdre le fil. Donc je voulais vous donner des nouvelles. Je voulais vous donner des nouvelles. Je voulais vous donner des nouvelles de où j'en suis niveau bouquin, travail, envoi, etc. Je vais essayer de faire court. Le livre arrive dans les bacs. J'ai bu beaucoup trop de café. Le livre arrive, donc, normalement, si tout va bien, il est fort probable que le livre arrive en fin de semaine prochaine. Je vous explique. J'ai commandé beaucoup de livres, parce qu'il y a eu beaucoup de livres précommandés sur Ulule. Mais, pour ne pas avoir à tout réceptionner d'un coup, et surtout pour pouvoir réceptionner une partie plus tôt,
avec mon imprimeur, je vais récupérer en fait une première partie. Alors, pas la moitié, moins de la moitié, mais une première partie de livres vendredi prochain, parce qu'ils seront déjà prêts. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'engagent à ce que ces livres-là soient prêts pour que. Donc, vendredi, je vais normalement en plus rencontrer l'imprimeur, alors ça, c'est cool. Je vais me taper 2 heures de route aller et 2 heures retour, ça, c'est moins cool. Mais au moins, j'aurai mes livres et je les aurai le vendredi pour avoir tout le week-end pour commencer à pré-emballer. Et donc, peut-être même à envoyer certains exemplaires. Et ensuite, le reste des livres arrivera donc dans le courant de la semaine d'après. Mais c'est pas mal, ça me permet de scinder un petit peu aussi parce que recevoir d'un coup tous les livres, ça demande de la place, ça demande de l'organisation, voilà, c'est compliqué. Donc, ça, c'est pour les livres. En attendant, aujourd'hui j'ai réceptionné tous les emballages. J'ai filmé, donc peut-être que je vous mettrai dans le prochain vlog, parce que c'était ce matin. C'était épique, parce que mon voisin a choisi aujourd'hui, pour refaire sa gouttière. Donc il a bloqué toute la route. Et donc le pauvre livreur, avec son gros 19 tonnes, a dû se taper la visite de toute la Dordogne pour faire le détour pour arriver dans l'autre route de l'autre côté chez moi. Bref, j'ai récupéré les emballages. J'ai réceptionné. Les emballages, j'ai réceptionné les stickers, j'ai réceptionné les tote bags, j'ai réceptionné. Qu'est-ce que j'ai réceptionné d'autre? Je vais aller réceptionner Sally parce que là il pleut. Désolée. Du coup, il pleut, soleil, pleut, soleil, pleut, soleil. Donc là il pleut et je l'ai lavé hier, la Miss Sally. Ma fille, tu me fais pas tomber mon téléphone. J'ai réceptionné pas mal de choses au final. J'ai réceptionné le thé, j'ai aussi. Voilà. Donc en fait, là, je suis dans la phase de pré-préparation. C'est-à-dire que je vérifie tout. Arrête, Sally, tu vas tout faire tomber. Tu veux jouer un croque-carotte ou quoi? C'est pas possible. Donc là, je réceptionne tout, je vérifie que tout est OK, je vérifie qu'il y a les bons nombres de tout ce que j'ai commandé, et tout et tout. Et puis après, je range. Il faut que j'ordonne tout ça. Parce qu'au moment d'emballer, pré-emballer, etc., il faut que ce soit rangé et au plus pratique possible. Donc voilà. Voilà ce que je fais en ce moment. Je réceptionne. Je suis. Les voisins doivent se demander si je fais un trafic quelconque. Parce qu'ils voient tous les jours des livreurs arriver. C'est assez rigolo. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque quelques petites choses encore à réceptionner qui me permettraient d'avancer. Par exemple, j'attends, je vais recevoir normalement bientôt, mais je pense pour la fin de semaine ça va être loupé, ce sera peut-être plutôt lundi. Mes cartes de visite que j'ai fait spéciales pour les envois d'Ulule, puisque du coup il y aura le petit code promo Ulule dessus. Ça par exemple, je l'attends pour pouvoir faire toutes les petites pochettes de goodies. Parce que du coup, j'ai réceptionné les stickers, j'ai réceptionné l'été. Voilà. J'avance, 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 j'avance au plus que je peux. Je chôme pas. Il me reste encore la partie bougie à faire et ça, c'est compliqué. Mais j'avance à grand renfort de café et de câlins de mes petits bouts qui sont très très fiers de voir tout ce que maman elle fait, qui sont très enthousiastes à chaque fois que j'ai un colis de regarder qu'est-ce que c'est. Et ça me rend super fière. Mon chéri est très fier de moi aussi. Donc, je sais pas, c'est des trucs qui n'ont pas de prix de voir les gens qu'on aime fiers de soi. Quand soi-même on doute et quand soi-même on n'est pas. Enfin, je suis pas quelqu'un qui a une grande estime. Enfin, j'ai toujours eu du mal avec le fait de me faire confiance et tout ça. Et en fait, ça aide de voir ses proches. Même si parfois je me dis, mais c'est normal, c'est les gens que j'aime, ils vont pas me dire l'inverse. Mais je vous assure que dans le regard d'un enfant, enfin, surtout que moi, les miens, ils sont très bruts et voilà, c'est nature peinture. Ils aiment, ils aiment, ils aiment pas, ils aiment pas. Ils vont pas passer à gauche, à droite. Mais du coup, de les voir aimer les choses, enfin, c'est d'autant plus gratifiant et c'est vrai que ça m'aide à prendre confiance en moi et ça m'aide tout court. Mais j'ai plus que cette petite grande peur, enfin j'ai quand même ce grand stress de recevoir le livre. Voilà, je pense que le jour où je vais recevoir le livre, j'ai peur d'ailleurs que toute la pression retombe. Je vous avoue que là, je ne suis pas du tout stressée par le fait du volume des envois que j'ai à faire. C'est pas du tout ça qui me stresse, parce que ça, je sais que je vais gérer et je sais que
ça va être une routine à prendre et puis je vais abattre le travail et je vais le faire. Et ça, je sais que c'est moi qui décide en fait de le faire. Mais là, le livre, je n'ai plus la main dessus et c'est terrible parce que ça me stresse, parce que je me dis, mais là, je peux rien faire quoi. Enfin, je sais pas en plus qu'est-ce qui pourrait foirer. Pardon du mot, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc qui peut mal se passer et que je pourrais plus rien y faire parce que c'est fini, c'est plus à moi de décider. Et enfin, bon bref, c'est très compliqué. Ça, c'est très stressant. Mais donc voilà, je suis dans l'entre-deux, entre je suis hyper enthousiaste et je suis je veux pas voir. Enfin voilà. En fait, j'ai hâte aussi d'avoir fini les envois et ça veut dire que finir les envois, ça voudra dire que ça y est, vous avez tous votre livre et j'espère qu'il vous plaira. J'espère que tout ce qu'on a mis dedans avec Morgane, tout va fonctionner et qu'il vous plaira. Parce que j'ai tout donné. J'en ai encore peut-être sous le pied, hein, mais je vous assure que j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc voilà. Et ces derniers jours, j'essaye aussi de m'accorder des moments pour réaliser ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est important. C'est important de se dire qu'on a réussi à faire un truc énorme, quoi, qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait. Voilà. En tout cas, je voulais aussi vous dire que cette semaine, j'ai pu enfin recuisiner. Et j'ai fait des cinnamon rolls pour Adam, parce qu'Adam était malade et que ces cinnamon rolls soignent tous les bobos. Et ça m'a fait du bien de recuisiner, parce qu'en fait, ça fait quand même un moment que je n'ai pas pu... Alors, recuisiner aussi, je cuisine, mais... pâtisser surtout et puis refaire des goûters, parce que ces derniers temps j'étais tellement prise que les goûters c'était un peu rapide, c'était une tartine, c'était voilà. Et j'avais envie de faire des cinnamon rolls depuis super longtemps et en fait j'ai pris un exemplaire un peu test, enfin imprimé vite fait de ma recette qui sera dans le livre, donc vous avez pu voir l'aperçu. Et en fait, pendant que je cuisinais et que je filmais pour le vlog, je me disais, oh là là, mais les gens vont peut-être... Enfin, ils vont faire peut-être ma recette. Bah sûrement, je pense. Mais... Et du coup, j'avais ce côté... Enfin, j'essayais de me mettre à la place de quelqu'un qui va la découvrir pour la première fois. Et tu vois, ça m'a rendu aussi un peu fière, quoi, quand même. Ça m'a fait un petit quelque chose. C'était cool. Voilà. Bon, allez, c'était mon petit mot... un peu, j'ai l'impression que je m'auto-congratule là, mais bon, je pense que c'est important aussi, hein, c'est vraiment, ouais, c'est important aussi de se le dire. On est souvent très dur avec soi-même, souvent je m'entends moi-même me le dire, mais je suis trop nulle, ou j'ai foiré, j'ai machin, avec des mots, enfin des termes un peu négatifs, mais je pense vraiment qu'il faut aussi savoir se dire à soi-même des termes plus positifs quand on a des choses positives à se dire. Se forcer à se dire « je suis géniale », mais d'être bienveillant envers soi-même, en fait. D'être juste, de se vouloir du bien. Et moi, je suis quelqu'un qui témoigne beaucoup aux gens. Je sais pas, quand les gens font quelque chose, je suis toujours celle qui est là à dire « mais tu te rends compte, c'est génial ce que tu as fait, mais tu te rends compte ?» Parce que des fois, je vois des gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils accomplissent des choses exceptionnelles et à quel point ils font un chemin incroyable. Donc, je suis souvent celle-là, mais je le suis un peu plus rarement avec moi-même. Et j'essaye de l'être un peu plus. Et je pense que c'est aussi ça, être bienveillant envers soi-même. Ça veut pas dire qu'on... Oh, la mouche. Ça ne veut pas dire qu'on est vaniteux, ou qu'on se la pète, ou qu'on se trouve génial, mais... Parce que là, je ne me trouve pas du tout génial, là. Mais c'est aussi important, on ne peut pas être tout le temps que dur envers soi-même. On ne peut pas que s'exiger des choses et ne rien se renvoyer à nous-mêmes. Donc voilà, donc j'essaye. Je vous dis ça, mais je suis pas hyper sereine non plus, surtout, attention. Mais je pense que si on veut être exigeant envers soi-même, bah ok, on peut l'être, mais il faut aussi savoir se passer un peu de pommade quand on le mérite. Et je pense que je mérite en ce moment, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé, très très dur.
Voilà. Bon, et ben, je vais vous laisser. Je vais finir de monter ce vlog pour que vous l'ayez au plus tôt. Et puis en fait, il me tarde déjà de vous filmer pour vous montrer tout le reste. Je pense que dans le prochain vlog, je vais vous filmer les tote bags, je vais vous filmer les stickers, je vais vous filmer les bougies. Ça, vous êtes beaucoup à me demander de vous filmer, de vous faire plein de sessions de films de bougies. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois un merveilleux automne, puisque ça y est, là, on est en plein dedans. On nage dans l'automne. Prenez vraiment bien soin de vous. Attention aux petits coups de froid qui arrivent, surtout pour les petits bouts de choux qui ont le nez qui coule à l'école. Prenez soin de vous, cocoonez-vous, faites-vous des bons goûters. Prenez le temps et prenez le temps d'apprécier le temps. Je pense qu'on est à la saison où on peut apprécier juste le temps qui déroule et le temps qui passe. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse, je vais tuer les mouches qui sont derrière moi. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. À bientôt !